jusqu'où tu es prêt à arriver pour pouvoir réussir. Beaucoup de personnes disent qu'elles veulent réussir. Beaucoup de personnes ont l'intention de vouloir réussir. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que si ce n'était que des intentions, en fait, tout le monde aurait pu atteindre ce qu'il veut atteindre. Mais le véritable problème, c'est que entre avoir l'intention de vouloir faire quelque chose et de faire certaines choses, il y a deux fossés, en fait. C'est-à-dire, moi, j'ai envie de t'interpeller aujourd'hui afin que tu réalises une chose, c'est que, vois-tu, la plupart du temps, on est amené à faire des choix, on est parfois amené à prendre des directions que parfois on ne voulait pas simplement parce que c'est la vie qui nous a parfois amené à prendre ces directions-là. Mais à un moment donné, au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure que tu prends de l'âge et que tu commences à avoir, tu commences à fonder une famille, il y a un moment de là où tu commences à te poser certaines questions. C'est que tu commences à te dire en fait que finalement, quel est l'impact que je veux laisser en fait? Quelle est en fait la marque que j'ai envie de laisser sur Terre? Et à un moment donné, si tu ne te poses pas encore cette question, c'est que il faut vraiment que tu te checkes. Et que tu te dises aussi qu'à un moment donné, est-ce que la distraction n'est pas un peu trop présente dans ma vie pour que je commence à me poser certaines questions? Parce que je vois souvent beaucoup de personnes, quand il s'agit pour eux de pouvoir réaliser leur rêve, ils ne se battent pas assez pour leur rêve. Mais ce qu'ils vont faire, c'est que la plupart du temps, en fait, ils vont mettre la pression à leurs enfants pour que ce soit leurs enfants qui réalisent leur rêve. Et justement, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui passe le temps à faire en sorte que tu mets la pression à ton enfant pour que c'est ton enfant qui réalise ton rêve, c'est qu'en fait, tu n'as rien compris. Le truc, ce que tu dois par contre comprendre, c'est que tu dois au moins tout faire pour te battre, pour réaliser toi-même tes propres rêves, pour que lorsque ton enfant va grandir, il va regarder ce que tu auras accompli et de façon naturelle, il va lui aussi vouloir accomplir ses rêves. Mais actuellement, on est dans une société là où la distraction a pris le dessus en tout et pour tout. Je vais vous prendre un exemple concret. Chez moi au Gabon, actuellement, il y a un scandale sexuel qui est en train de faire le tour de la toile. Et le souci avec ça, c'est qu'il y a des gens, il y a des protagonistes qu'on a attrapés avec des audios compromettants, etc., etc. Et beaucoup de personnes sur Facebook sont en train de maintenant partager ça de gauche à droite. Et un de mes amis, un ami d'enfance, a fait un live là-dessus. Et c'est là où j'ai compris combien de fois nous, les Africains, on est vraiment, vraiment dans la distraction. C'est-à-dire, quand il a fait son live, il y avait 3 000 personnes connectées dans son live. Est-ce que vous voyez un peu, en fait? C'est-à-dire, à quel niveau est-ce que les gens... En fait, les Africains recherchent même la distraction dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, faut pas... J'ai envie de dire ça comment? J'ai envie de dire que on est toujours en train de vouloir dire aux Africains, oui, mais il faut que tu fasses ça pour avoir une meilleure vie, etc., etc. Mais la vraie question qu'on doit se poser, les amis, est-ce que les gens là veulent avoir d'abord des meilleures vies? C'est d'abord ça qu'il faut se poser comme question. Parce que quand je suis tombé sur son live par hasard, et quand j'ai vu là, c'est-à-dire la mouvance avec laquelle les gens étaient en train d'interagir, etc., etc., je me suis dit que waouh, on en est encore là. En 2021, on en est encore là. Et la question que moi je vais te poser, c'est que quand toi tu es sur la toile en train de rechercher des scandales, des derniers Kongossa à la mode, mais la question que je vais simplement te poser, c'est que une fois que tu as fini de regarder ces Kongossa-là, une fois que tu as fini de t'enjailler en partageant tout ça là, tout ça, c'est-à-dire tu es content, tu en es moi, machin, tout ça là, mais à la fin de la journée, qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie en fait? Quel est le plus que tu as retenu? Parce qu'il y a deux choses. Comprends bien, il y a deux choses. C'est-à-dire, l'être humain apprend de deux manières. Par l'exemple ou par l'action. C'est-à-dire,
Ce qui va se passer, c'est que toi, quand tu as fini de t'extasier là avec tous ces congos, ça, qu'est-ce que ça va t'apporter en fait? Est-ce que tu as appris quelque chose? Ou est-ce que ça a changé quelque chose dans ta manière de gagner l'argent? Et quand je parle de gagner l'argent ici, je parle du fait que est-ce que ce que tu as fini de regarder en partageant massivement t'a permis de changer quelque chose à l'intellectuel ou au niveau de tes finances? Si ce n'est pas le cas, toi-même tu sais, moi je ne suis pas là pour te dire ce que toi-même tu dois faire, mais si tu sais que ce n'est pas le cas, cher ami, il n'est jamais trop tard pour te raviser. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est-à-dire, on est en train de vouloir... Je vois souvent, il y a un côté là où... Souvent j'ai l'impression que on a toujours envie de prendre les... On a envie de mettre les Africains comme étant des victimes d'un certain système. Mais en fait, dans le long terme, je réalise que non. En fait, ce n'est pas une question de victimisation. En fait, ce sont les Africains eux-mêmes qui cherchent la distraction à foison, en fait. Ce qui fait que quand tu vas produire un contenu comme celui que je suis en train de produire là, il n'y a qu'une minorité de personnes à qui ça va toucher, en fait. Parce que l'intérêt ici, c'est quoi? C'est-à-dire que la majorité, la plupart du temps, représente la bêtise. Et en arts martiaux, on disait souvent que lorsqu'on veut apprendre une nouvelle technique à des étudiants, c'est-à-dire à un certain niveau élevé dans les arts martiaux, ce qu'on dit en fait, c'est que à un moment donné, on ne peut pas apprendre cette technique-là à tout le monde. Par exemple, si on veut montrer à quelqu'un comment frapper sur les points vitaux, les points dans lesquels c'est susceptible de tuer quelqu'un, on ne peut pas montrer ça à tout le monde. On va montrer ça à une catégorie de personnes bien spécifique parce que ce sont des élus en fait. Et moi en fait, mon but ici, c'est que j'ai envie de réveiller l'élu qui sommeille au plus profond de toi. J'ai envie de réveiller le guerrier mental qui sommeille au plus profond de toi en te rappelant que tu mérites mieux que ce que tu as maintenant. Je ne sais pas ce que tu as, mais je sais une chose, c'est que tu mérites mieux. Et pour que tu rentres dans ce à quoi tu mérites, mets-toi dans les conditions pour atteindre tes objectifs. Si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, entoure-toi des personnes qui peuvent t'aider à y arriver. Si tu veux gagner plus d'argent, entoure-toi des personnes qui parlent davantage de finances. Si tu veux croître, mets-toi avec des personnes qui ne cessent de grandir. Mais également aussi, si tu veux toujours connaître la stupidité, si tu veux toujours connaître le ridicule, si tu veux toujours connaître la misère, c'est facile. Tu vas te mettre avec ces personnes-là. Dans tous les cas, je voulais vraiment partager ça avec toi. C'est un message vraiment à cœur ouvert que j'ai décidé de partager avec toi. Parce que je reste convaincu que il y a quelque chose. Tu n'es pas venu sur Terre pour rien. Je reste convaincu de ça. Tu n'es pas venu sur Terre pour rien. Tu as quelque chose à venir à accomplir sur Terre. Dieu ne te donne pas le souci de vie juste pour venir rigoler et puis partir. Non. On est appelé à de grandes destinées. Mais le problème, c'est que combien de personnes sont prêtes à répondre à l'appel? Si tu fais partie de ces personnes-là, tu sais ce qu'il te reste à faire. Dans tous les cas, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.